Salut tout le monde, on est aujourd'hui sur une petite nouvelle vidéo découverte sur Infectonator Survivors. Alors je check juste le Steam pour les infos, donc c'est sorti le 8 août 2016. Je pensais que c'était plus vieux que ça. Développé et édité par Togue Productions, dans un style un peu RPG action-aventure, mais aussi de la stratégie. On va découvrir ça ensemble, donc je vous mets le lien dans la description bien évidemment. Alors ce jeu est en anglais. J'ai pas joué beaucoup, mais enfin, le peu que j'ai joué c'est pour les réglages en fait. Et alors avant de commencer, je vais remettre en full screen si possible, voilà. Ok, audio, ok, gameplay, autopause, bon, je sais pas trop à quoi ça correspond. On va découvrir donc le mode campagne ensemble. Alors, attention, welcome to Infectonator, we would like... Blablabla, bon bref, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc en fait c'est un jeu, pour le peu que j'en ai vu, en gros on doit combattre des vagues d'ennemis zombies, avec des éléments de RPG, on va récupérer des armes, des kits de soins, etc. Le but c'est de survivre aux vagues ennemies, avec un petit peu un côté de stratégie, c'est-à-dire on peut placer nos personnages sur le niveau. Pour la jouer stratégie, un peu à la Fire Emblem, si je peux essayer de comparer. Tac, tutorial on, ok. Donc là, on a 4 persos avec leur vie, leur stats, etc. Ok. On peut choisir des trucs additionnels, d'accord, mais ça, il faut les débloquer. Ok, d'accord, il faut des points, je les ai pas encore. Bon, on va lancer. C'est une découverte. Vroom vroom. Donc niveau graphisme, c'est assez simpliste, mais j'aime bien ce petit côté simpliste. C'est pas pour me déplaire. Alors, you can slow down to the hall, there is no more fuel. Alors, on a plus d'essence dans la voiture. La seule chose à faire maintenant, c'est de continuer à pied. Alors que c'est l'apocalypse zombie. Oui, en effet. Alors, wait, before we go on, let's review the basics, ok? Don't get trapped, you gotta keep moving. Left click to select someone and right click to move. D'accord, donc clic gauche pour sélectionner un personnage et clic droit pour bouger. Ton équipe. Shootera automatiquement les zombies. D'accord. Donc nos personnages tirent automatiquement. Ok. Continue. Un zombie will walk away if it did not see you, however, do not allow too many of them to pass you or your visage. Ok, d'accord. Bon, ça explique un petit peu comment fonctionnent, je dirais, les ennemis pour pas trop se faire avoir. Donc, alors voilà comment ça se présente. Voilà, là, notre petit groupe se déploie. Donc, alors, j'attends de regarder un petit peu tout ce qu'il y a sur l'écran en fait. Alors on peut avoir du support, ça je l'avais déjà vu ça, une sorte de bonus en fait. D'accord, abandonné, on peut recharger aussi. Ça c'est les personnages, d'accord, ok. Cancel ça fait quoi? Oula, mince, j'aurais pas dû faire ça. Oups. Là on a defense. Ok d'accord, c'est bon. J'ai eu peur. Tap to start battle, d'accord. Donc genre, là je peux sélectionner elle et je peux la faire bouger jusque là-bas, d'accord. Ok, elle tire automatiquement, ok. Ok, bah ça s'en sort bien tout seul. Lui là par exemple, je peux... on peut construire des sortes de tourelles et ça va coûter un peu de l'argent. Et s'il cherche là-dedans, qu'est-ce qu'il peut trouver? D'accord. Toi. Non, c'était bien que je voulais. C'est pas grave. Cherche là-dedans. D'accord, ok. Il y a une sorte de. C'est un peu de tour par tour en fait. Ok. Ah là, c'est bon, j'ai nettoyé la zone, non?
start. Ok, là ça lance une vague ennemie. On va essayer de déployer un petit peu nos forces. Ok. Et maintenant. Alors, if you are feeling brave enough, you can call the zombie horde early. Ah d'accord, bah, c'est ce que j'ai fait. Ah, ok, d'accord, il va y avoir une sorte de petit timer entre les vagues ennemies. Je peux accélérer ce timer. Tu obtiendras des bonus en munitions si tu fais ça, d'accord. Sois prudent cependant. Que les zombies ne te submergent. Life counter, do not reach zero. D'accord, ok. Search for loot, look out for sparkly objects to scavenge, you may find useful items. Alors, c'est ce qu'on a fait un petit peu, il faut chercher un peu dans le niveau pour trouver des trucs utiles. Et les objets qu'on peut fouiller, ils sont. Voilà, ils brillent en quelque sorte. D'accord, alors là la vague arrive, ok, donc il y a 6 vagues, ok. Ok, donc du coup en attendant, voilà, on organise un petit peu notre équipe. Ok, alors lui, vu qu'il a une hache, on va le faire chercher un peu. Parce qu'il est utile qu'au corps à corps, les autres ils ont des flingues, donc on va les laisser à distance. Ouh, lui a trouvé pas mal de trucs. Et bah hop, continue de chercher toi. Peut-être même une tourelle aussi, si j'ai assez. Où est-ce qu'on voit qu'on a notre argent? Je vais les faire recharger. Tac. Ah, mais hop, il y a une vague qui arrive. J'ai pas suffisamment d'argent, mais je sais pas où est-ce qu'on peut le voir, notre argent. Je suis en train de regarder, mais... Je découvre bien sûr, hein, au fil des vagues, les ennemis deviennent plus nombreux avant tout. Et toi, on va te bouger un petit peu, toi on va te reculer aussi d'un poil. Allez hop, moi je suis prêt. Ah ok d'accord, non c'est bon. On avance dans la zone secondaire, d'accord. Bah voilà, peut-être que je pouvais pas le faire en fait, que là il me propose de construire des tourelles, peut-être que je pouvais juste pas le faire avant. D'accord, J'avais deviné, hein. One more thing, the military left some... Ok, bah ça j'avais pareil, j'avais compris ce que j'avais joué un petit peu avant. Ok, donc en gros faire des tirs de mortier et construire une tourelle, c'est les petits objectifs que j'ai. Et ben, on va en construire une tourelle ici, toi là. Bah je vais pas avoir assez... cherche ici, toi cherche là-bas, et toi, ah lui du coup sa vie a un petit peu baissé là, je viens de remarquer, lui il construit, d'accord, et ben elle est faite, toi là je t'ai donné quelque chose à faire, non, va chercher là-bas, ok, ouais attends t'es bien ici, là, ça y est ils arrivent, elle est un petit peu mal placée pour le coup. Non, non, c'est pas lui. Bouge, 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 bouge. Voilà. Ouh. Ça me prenait pas la gueule. Non. On va essayer d'utiliser notre tir de mortier. Toi, tu vas aller là-bas. Toi, tu vas un peu te réfugier derrière la tourelle. Voilà. Alors, recule-toi. Ok, là j'ai sélectionné les mortiers, on va voir ce que ça fait. On va essayer d'attendre qu'ils se regroupent un peu. Allez, ici là. Bam, bam, ça fait un joyeux bordel. Ok, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Il y a des défenses aussi, je sais pas trop ce que c'est. Faut bah, justement les défendre, mais je sais pas comment. Allez. Et
prépare les mortiers. Allez, boum. Alors, je peux peut-être que les pièces, en fait, je vais regarder où est-ce qu'elles vont. Ça constitue notre argent, qui fait les munitions, ça constitue les pièces que du coup on peut se servir pour construire notamment les tourelles. D'accord. Si, j'ai bien compris. C'est bon, il reste une vague qui passe au next area. Ok. Mission, rapport de mission, ok, bon, on a tué 45 zombies, gagné 217, quel est supplies, fuel, d'accord, ok, j'ai pas trouvé d'essence, de, peut-être un petit peu problématique pour ma voiture en effet, ouf, Fluffy, d'accord, but you made it, my name is Scott, I'm the one on the radio, and this is my friend Shirley Samoyle. Ok, salut. Blablabla, une fois que je vais faire le problème du deadline, d'accord. As you can see, my legs are injured, I need your help gathering supplies at work. Around the headquarters, I'll be measuring the radio. Ok, donc c'est notre quartier général. Ok, on peut améliorer ou réparer ou même créer des objets intéressants. Je vois qu'il y a un jardin aussi. Alors ça, c'est les missions, la stat business list. Bien sûr, la table des missions. D'accord. Les zombies sont moins agressifs lorsque... de jour, si j'ai bien lu. Parce qu'il y a marqué When it's dark, mais je pense pas que les zombies soient moins agressifs de nuit, non? We'll meet there when the sun sets to plan. Ouais, c'est ça. Les zombies sont plus forts de nuit, et donc plus vulnérables au soleil. D'accord. Objectif escape the city. Locate exit completed. Collect fuel. Fix the car. Ok, donc on a plusieurs petits objectifs à remplir pour en remplir un principal qui est donc s'échapper de la ville. Ok, workshop. Qu'est-ce qu'on peut crafter? Can craft new weapons and gears. Ok. Donc des armes et des armures. On doit assigner des personnes à travailler sur les projets. D'accord. Puis il y a des personnes, puis ça va vite, bien sûr. Blablabla. Craft style basique, style basique gears, d'accord. Ok, donc là j'ai choisi une armure et maintenant je peux assigner quelqu'un. On va mettre Sydney, assigne. Ok, on peut booster avec de l'essence aussi, j'ai l'impression. Est-ce qu'elle y est du coup? Oui. Et ça fonctionne. Radio. Ok, on peut recruter des personnes intéressantes. Locating supply. Ok, pas mal. Ok, alors est-ce qu'on va faire... On va essayer de faire ça. Ah mince, il me manque des pills. Ok, d'accord. Ça, je suppose qu'il faut que je les récupère dans les niveaux. D'accord, ok, je commence un peu à voir le garage. This is this car is pretty bad condition. Even so, we can still fix it. You need to select a project to start specific repairs. D'accord. Alors, on peut fix and drive, repair body, repair electrical. Ok, mais du coup, j'aurai plein de matériaux besoin, je suppose. D'accord. J'en découvrir un petit peu là, c'est pas forcément très intéressant, je le conçois. Oui, oui, bon, ça va, j'ai compris. Je regarde un petit peu toute notre base, c'est sympa. Ok, je peux accélérer un peu le temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le jardin. Je suppose que ce serait pour se faire des portes de potions et se régénérer nos vies.
faire des ingrédients pour la cuisine. Start just like the project. Plein de vegetables, ok. Maintenant il faut assigner quelqu'un. On va faire une assignation automatique. Non, il veut pas. Oula, bah non, mais j'en veux pas autant. Ouais, kick out. Mais elle est déjà... Non, non, mais je veux pas te virer de là. Merde, non, non, mais je voulais pas faire ça. Ouh. Je vous ai un petit coup de stress. Moi, je sais juste que je voulais pas autant de personnes, en fait. Un assigne, voilà, plutôt. Loul. Ah, le con. Pardon. Un assigne, voilà. Lui, un assigne. Voilà, bon, juste un seul. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avant ici? Des toilettes, une cuisine, donc, et des dortoirs. Ok, donc là, on pourra avoir tous nos personnages. Est-ce que j'ai déjà des ingrédients pour cuisiner quelque chose? Blablabla, blablabla. Ok. Non, mais je peux améliorer la cuisine. D'accord. En y plaçant bien sûr quelqu'un. Et alors, eux deux sont déjà pris. On va lui mettre lui. Toc. Ok. Alors, ce qu'on va faire. On va accélérer le temps. Pour que tous ces projets soient faits, on va voir ce que ça donnera. Ok, là on a notre squad. Ok. J'aime bien toute cette petite gestion, c'est pas mal. Après, ouais. Ouais, c'est pas trop mal. Vous allez le savoir, ça. Non, mais pas tout de suite. Je suis en train de faire autre chose là. Voilà, reposez-vous. Oui. Ah, ils veulent vraiment, on en voit ça que de nuit. Bizarre. J'ai perdu deux ressources parce que notre lanterne est tombée. D'accord, sorte d'élément aléatoire. Ah, merde. Il me faut plus de ressources, sinon mes personnages sont en train de mourir de faim. Oui, 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 arrêtez de me parler, laissez-moi gérer. Blablabla. Bla, bla, bla. Oui. Accélère le temps. Do you want to fast forward to night time and start expedition? Ouais, on va voir. Et du coup, la cuisine, je l'avais pas fait augmenter? Bon. Bon, c'est la nuit. On va assigner tout le monde en fait. Hein. Et on y va, ok. Alors, the building in the middle is where we are right now, ok. The current prison is marked with a red arrow. We need to explore and secure this area before we can go to other areas, ok. Let's explore this area. Eh bien, allons-y, explorons l'endroit. Oui, bah, arrêtez de me répéter 10 000 fois les choses, je comprends. The less you will encounter next time. Oui, ça va de ça. To leave the area, send your team to the edge of the map and press the leave button. Good luck! Ok. Eh bien, explorons alors. On doit explorer 75% de l'endroit. Alors, je peux sélectionner tous mes bonhommes, je suppose. Ok. On peut pas aller plus vite. Waouh, mais c'est super lent là, par contre. On va pas vous fouler quelque chose, hein, c'est moi qui vous le dis. Alors, il y a un petit truc là-bas, on va voir ce que c'est. Il y a aussi des zombies.
Check, check, check. Oui, on va chercher dans le sac à dos. Oui. J'ai gagné des 20 munitions. Ok, intéressant. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? D'accord, bon, je comprends un peu comment fonctionne le jeu. Bah, je trouve le concept sympa, mais je trouve pas ça ouf. Enfin, je sais pas, je dirais qu'il manque un petit quelque chose. Là, il y a une vague qui arrive. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose. Parce que c'est pas forcément mon genre de jeu, je sais pas trop. Même si pourtant, voilà, il y a des éléments de gestion et de stratégie de sa petite base, de son quartier général qui sont sympas, faut le reconnaître. Et bon sang, mais aller plus vite, quoi. Pas accélérer. Hein. Pas aller plus bas, si. Oh là 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 là. Bon, on a bientôt exploré plutôt la moitié. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Toi, en profitant pour en chercher là-dedans. Un UMP, pas mal. Et est-ce que du coup je peux en équiper? Je pense pas que je puisse les équiper dans la partie, mais que quand je suis sur mes... quand je suis dans mon quartier général, je pense. Merde, apparemment ça nous... Oula oula, de marcher dans le sang de zombie, c'est pas bon. On va chercher là-dedans ce qu'il y a. Spark plug, ok, ça doit nous servir pour confectionner des armes et autres au quartier général, à nos ateliers. Ok. Franchement, j'aimerais bien que ça aille plus vite, quoi. Moi, pour tout vous dire, les zombies, c'est pas mon délire, mais vraiment pas, tout ce qui est Walking Dead ou autre. Il y a très peu de jeux, ou même de films, ou de séries de zombies que j'ai regardé, parce que c'est vraiment pas un genre qui m'intéresse. Il y a les jeux Telltale de Walking Dead, la première saison que j'avais faite, parce qu'elle est plutôt bien narrée, hein, c'est bien raconté. Mais autrement, le genre zombie, c'est vraiment pas... je trouve très répétitif, qu'on a vite fait le tour, quoi. Et voir des fois, c'est intéressant d'expliquer comment la contamination zombie s'est faite, mais autrement, je trouve pas ça très original. Et c'est souvent un prétexte pour faire du gore ou du zombie, enfin, de l'action. Enfin, je trouve pas ça, ouais, ouf, dans le concept. Après, pourquoi pas, hein, mais c'est pas mon délire. Bon, on a bientôt fini d'explorer là, 41%. On y vient. Oula, bah, c'était la même chose là. On va faire ce niveau là, puis je vais arrêter après. Honnêtement, ça me passionne pas des masses. Pourtant, j'aime bien le système, hein, le côté là, quartier général, explorer le lieu, gérer un peu son équipe, etc. J'aime beaucoup ce côté RP. Mais je sais pas. Il y a peut-être du fuel là-dedans, non? Il n'y avait pas un truc comme ça? Non, j'ai rien trouvé dans le baril là.
Toi, tu peux pas aller chercher dedans, non? Non. Visiblement, non. Bim. Allez, 50%. On a fait la moitié. Enfin, la moitié de la... Plus de la moitié à explorer pour le coup. On va revenir un peu sur nos pas là, n'est-ce pas? Je sais pas s'il recharge automatiquement. Ah si, ah, si bon, je l'ai vu la recharger de son automatiquement. On peut le faire nous-mêmes. On sait qu'on peut tirer nous-mêmes là. Du coup, en fait, ça ne sert à rien d'afficher ça sur le côté. On doit pouvoir jouer manuellement en quelque sorte. Merde, oula, elle est pas bien elle. Vite, revive. Est-ce que j'ai de quoi la faire revivre du coup? 10 secondes. Waouh, il y a des zombies qui arrivent. Oh, il s'est fait défoncer lui. Oh bah là, c'est efficace mon gars. Bah, allez, corps à corps, c'est radical. Hein. Allez, va falloir la tenir là. Ça devient un petit peu plus compliqué là. Ah non, mais vous mettez pas dans la cible. Ah oui, j'ai le support aérien aussi, si besoin, ouais. Apparemment que j'ai beaucoup d'ennemis autour de moi. 55%. Oula, bah ils arrivent là. Allez, on va utiliser. Allez, faut avancer. Il veut pas bouger là. Ah, c'est bon. Merde, lui, il est mort. Vite. Faites-le revivre. Est-ce que j'ai de quoi? Je sais même pas si j'ai de quoi le faire revivre. Allez. 59%, on n'est pas loin. On y croit. Ça devient plus compliqué, hein, déjà. J'explore pas. Je sais pas. Non mais faites la revivre, j'ai pas envie de la laisser la crever. Bon, je pense que c'est un petit peu perdu pour elle là. On va essayer de fuir et avant tout d'explorer le reste de l'endroit. Bam! Alors lui il est efficace, lui avec sa hache, je kiffe. Hein. C'est vrai que les zombies comme ça, la hache, bam, allez. Mais vous, faut suivre les gars. Hein. Voilà. Faut rester groupir. Hein. C'est pas la bonne technique de se séparer, hein, clairement pas. Allez, on va essayer d'explorer un peu plus en amont. Il reste 10%. Mais du coup j'ai déjà fait cet endroit là, est-ce qu'il ça compte quand même comme de l'exploration? Pas l'impression hein. On va se rentrer dans le bâtiment là-bas. Ah merde, j'ai pas vu lui, c'est en train de se faire buter. Ça va être compliqué à la fin. On va essayer de tenir quand même. Wow, out of mail. À court de munitions, allez boum, il s'est fait buter, allez, bon bah je pense qu'on va tous crever, enfin, si ce n'est pas déjà le cas. You died, bon bah voilà. Du coup, bah, je vais m'arrêter là, hein. je comptais pas aller plus loin. Ouais, je sais pas, j'accroche pas trop, pourtant le concept, bah, je trouve qu'il est sympa quoi, enfin j'aime beaucoup l'idée.
mais j'accroche vraiment vraiment pas. Peut-être le genre, je sais pas trop, ça me passionne pas plus que ça. Du coup, mission report, oui, bah vous êtes tous morts. Hein. Game over, oui, bah oui, j'avais compris. Hein. Je vais m'arrêter là pour Infectonator Survivors. Aussi un mode survie. Je vous mets le lien dans la description. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis bah très bientôt. De nouvelles aventures. Salut !